Yo, salut tout le monde, c'est Floydiman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors là, en ce moment il fait super beau, on va dire que c'est la vidéo spéciale été. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Donc il fait beau, on va essayer de faire quelques plongeons de la passerelle, d'accord? Faut savoir que de base, le plongeon c'est absolument pas mon truc du tout. Genre je suis pas à l'aise du tout, surtout de hauteur comme ça. La partie la plus basse de la passerelle elle fait 7 mètres, ainsi que l'arche au-dessus ça fait 14 mètres, soit le double. On a mesuré du coup avec un mètre et je peux vous dire que ça fait sacrément haut. De base, j'ai un petit peu le vertige, enfin c'est pas vraiment le vertige, c'est plutôt la conscience du danger, je sais pas si tu vois la différence. En gros, je me sens pas attiré par le vide, mais quand je ressens que c'est dangereux, tu vois, je commence à avoir un peu les jambes qui tremblent, t'as capté? On va dire l'objectif pour moi aujourd'hui ça va être de sauter de l'arche, du coup de 14 mètres, j'ai jamais sauté d'aussi haut. Et si je le sens bien, pourquoi pas faire un salto, mais alors là je vous promets vraiment rien. Surtout que l'arche elle fait vraiment peur, c'est juste une petite poutre où faut monter dessus. T'as le vide à côté, t'as le vide de l'autre côté, donc c'est surtout ça qui fait peur. Je vous déconseille de reproduire ce qui va se passer dans la vidéo tout simplement parce qu'il faut un minimum d'expérience et sans cette expérience vous pouvez vous faire très très mal. Sur ce on se retrouve, bonne vidéo. Oh non, faut de carte SD. Ah, tu filmes là? Non. Ah, ça me dit tout. Oh. Yes. Quelle apoki. On porte ses couilles, on porte pas ses couilles. 1, 2, 3. Ça va ou quoi? Ça va? Ah, ça va bien. Oh, ah, c'est le dernier de ma vie. Oh la vache. Oh, la ça vache. Va ou pas? Oh la vache. Ah, j'étais pas prêt. Eh, hey, je fais jamais ça, gros. Je crois que c'était fait exprès. Oh, il vient nous faire claquer, gros. Il vient nous faire un plat le plus stylé au monde. Attends. J'ai plus envie de se taper. Ah, je suis mort. Ah, ça pique sa mère. Bon bah nous voilà quelques semaines après ce fabuleux plat où je me suis vraiment éclaté. Sans vous mentir, j'étais la pire douleur de ma vie. Et là on va se redéterre vraiment doucement. Allez, c'est parti, on y va. Elle a fait un plat de ouf, gros. Ah, ça me stresse de les voir comme ça. Ça me met pas une fois, regarde. Ah, surtout debout. Moi, je me mets hop debout. Je suis ça. Thank you.
Ah, donc là on est méga haut. Là c'est ultra ultra. Ah, ça me fait bien peur. Je suis pas à l'aise, hein. Je suis vraiment pas à l'aise. Ouah, comment c'est haut ? What the fuck? Bon, maintenant que j'ai sauté normalement du 14 mètres, je crois que j'ai pas le choix. Je vais devoir essayer de faire un salto. Je vais me motiver un moment ou un autre, c'est obligé. Faut que je le passe, faut que je le passe. Bon, Flo Didi! Moi j'ai les jambes qui tremblent et tout là! C'est bien passé? Je tremble de ouf! En vrai, je suis sur grave peur! Mon défi personnel a été réalisé, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire un salto du 14 mètres. Ça fait des sensations de ouf, c'est incroyable. Mais par contre, il était pas très propre. C'est-à-dire que j'ai paniqué en l'air, j'ai fait un 180, je sais pas pourquoi. Et en plus, ça n'a pas été filmé tout en haut. Du coup, on va refaire ça, je vais essayer de le faire plus propre avec un plan d'en haut. Mais oui, Floyd, on me voit bien. T'es chaud quoi, Floyd? Stress, mec, je suis en stress. Stress? Ouais. Ça installe la cam. Ouais, je suis en stress de ouf, gros. Mais non. Allez, Floyd Didi. Je me chie dessus. Let's go. Fais attention à toi, gros. T'inquiète. Eh, hey, gros, regarde pour toi quand même. Ça flippe ou quoi? Bon, oh, calme. Eh, hey, il me fait peur, lui. Je vais prendre comme ça, gros. Allez, Floyd Didi. Floyd, check-moi ça, mon frérot. Allez, gros. J'ai le vertige. T'as pas le vertige, gros. C'est dans la tête, t'es un monstre. Qui accélère. Bien joué, gros. Yes, bien joué à toi aussi, gros. C'est ça, mon gars. Le pont. Ok, avant de finir la vidéo, je vais remonter une dernière fois en haut pour filmer mon pote Florian. Il en va d'essayer une figure qui s'appelle le Barani Out. Vous allez voir, c'est une figure plutôt stylée. On espère qu'il va réussir parce que sinon, il risque de se faire très mal. Bonne chance, Florian. Les enfants, ne repoussez pas ça chez vous. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai réussi mon défi personnel qui a été de faire un salto du 14 mètres. Je l'ai fait complètement en pagaille, mais je l'ai quand même fait. Je pense qu'on va faire une deuxième partie de la vidéo quand on aura pris plus de niveau, plus de confiance, avec de meilleurs tricks, de meilleurs saltos. N'hésitez pas à vous abonner à toutes les personnes qui ont apparu dans la vidéo parce que c'est des gens super sympas, super talentueux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao, ciao! Je remonte ici. Non, c'est mort. Le...